Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la 17ème quête parallèle sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc on attaque les quêtes de rang de difficulté 3. Donc à gauche vous avez toujours mon récapitulatif, donc les caractéristiques du joueur. Donc je suis niveau toujours 32, je vais prendre cette fois Sangoku, donc avec la tenue je sais plus laquelle, mais bon, vous l'avez marqué. De toute façon, je ne prends pas de renfort. Et pour débloquer cette quête numéro 17, il faut finir la quête principale. Le nom de la quête principale est marqué aussi, de toute façon. Donc, à droite, on a les conditions de victoire. Donc, il faut battre tous les ennemis. Il faut battre tous les ennemis en moins de 10 minutes. Et si c'est le cas, on doit battre Vegeta et Thales pour avoir la fin ultime. Les récompenses de base, donc on a le Super Kikoa Ricom, je sais plus trop comment ça se dit, Gun. Le super, la super frappe, donc coup de pied Sonic et une pause de combat J. Donc voilà, donc c'est parti. Allez, donc on va se faire d'avoir Ricom. Allez. Allez vite. Merde, il est arrivé. Du coup, il va donner les fruits à tout le monde. Je sais pas si on peut les battre avant, j'ai jamais réussi. Ah non, on peut pas les battre. Donc voilà. Ils vont tous avoir tous se transformer en fruits là, enfin, tous prendre le fruit du démon. Allez, et ils vont tous regagner de la vie, hein, même Ricom, vous allez voir. Donc en fait, ça sert à rien de les frapper au début. Par contre, moi, voilà, pour faire plus de dégâts. Pourquoi j'ai pris le Kaioken, le Sangoku Kaioken? Exactement pour ça, pour faire plus de dégâts, puisque eux, ils en font beaucoup plus. Allez. Voilà, par contre faut faire attention, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce Kaioken, on perd de la vie. Hein. Ah putain, Burper qui est arrivé, on va se faire Jesse. Allez, j'espère que je vais le pousser. Oh non, putain, j'ai perdu mon endurance. Je vais pas toucher, mais c'est pas grave. Ah merde, j'aurais dû me transformer en Kaioken avant. Allez. On peut pas faire le Kaioken x5 pour le moment, je sais pas pourquoi. Faut peut-être attendre, faut que peut-être que je sois plus haut niveau. Le Kaioken x20, mince. Du coup, je peux même pas utiliser mon Kamehameha Kaioken x20. Parce que j'ai pas 5 barres. Oui, nickel. Allez. Non, oui, j'ai touché. Nickel, il est mort, Burter. Du coup, on peut se faire Ginyu. Mince, j'ai mal enchaîné. Putain. Allez. Oui, je vais toucher quand même. Bon, je vais perdre mon endurance, alors vite. Nickel, c'est bon, voilà. J'ai perdu mon endurance juste à temps, il me reste plus que Guldo. Donc Guldo, bon, ça va quoi. Il va pas me faire beaucoup de dégâts avant que je retrouve mon endurance, du coup. Voilà. Allez, nickel. Ah putain, j'ai pas trop la boule de kill, hein. J'avais pas vu. Allez. Voilà. J'ai fini en moins de 10 minutes. Du coup, on va annuler l'éveil. Voilà, il faut. En fait, il faut battre tout le commando Ginyu en moins de 10 minutes. Ensuite, Raditz. Pas Raditz. Thales s'en va. Donc on peut récupérer de la vie grâce à ça. C'est nickel. Voilà. Et donc je vais finir en moins de 3 minutes, quoi. Du coup, voilà. Et donc du coup là on va attendre que leur speech est fini. Soit fini. Donc
Donc voilà, on va avoir Vegeta et t'allais s'abattre. Allez. Voilà. Putain. Ah oh. Oui. Allez, c'est mort. Il me reste plus de Vegeta, hein. Mince. Bon, ça va. Par contre, je sais pas si j'arriverai à le tuer avant de plus avoir d'endurance. Ça. Ah, peut-être, peut-être. Et nickel. Voilà, alors comme vous avez vu, hein, cette quête parallèle est aussi assez simple. Il suffit de battre tout le commando Ginyu en moins de 10 minutes. Alors, ce Sangoku, il est bien parce qu'il a le Kaioken, donc du coup, il fait plus de dégâts. Et il compense le fait que eux, ils prennent le fruit du démon et deviennent plus puissants. Donc, moi, je trouve que c'est bien comme ça. Oui, voilà. Donc, une fois que vous avez battu le commando Ginyu, il y a en moins de 10 minutes, bien entendu, Thalès s'en va et il suffit de tuer Thalès et Vegeta qui ont aussi pris le fruit du démon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !